Mesdames et messieurs, comme vous suivez en image, tous allés à la résidence et à sénateur Jean-Pierre Bemba, ils allés dans la road Saint-Genèse, dans la banlieue à Bruxelles, sur invitation, il y a Madame Luliane Bemba, épouse du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a en tout cas choisi donc ce jour, il y a samedi 16 janvier 2010, pour présenter ses vœux à la population congolaise au nom de son époux encore retenu dans la prison, il y a CPI en Hollande, et à son nom propre, bien entendu. Et juste après, elle a tenu donc un point de presse pour nous répondre à quelques questions où il y a bon nombre de compatriotes Bazali Komituna. Chers compatriotes, le mois de janvier étant un mois de présentation de vœux, permettez-moi de vous adresser au nom du sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombo, président national du MLC, et en mon nom propre, des vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de paix à l'ensemble du peuple congolais. Et un cinquantenaire de réconciliation et d'amour national, je reste convaincue qu'avec toutes les épreuves que nous traversons aujourd'hui, je suis sûre que Dieu travaille pour le bien futur de notre pays. Soyez assurés, chers frères et sœurs, qu'avec Dieu, nous vaincrons. Et encore, bonne et heureuse année 2010. C'est Babi Baloukouna de Canal Kin Télévision et évidemment CCTV, donc Canal Congo Télévision. Ici, je m'en vais poser une question à Maman Liliane Bemba, qui est l'épouse du sénateur Jean-Pierre Bemba, en ce qui concerne le procès qui va arriver en 2010 Oyo. Toyoka qui, na Kinshasa, ben, information comme quoi, famille Bemba, ils en ont moins de difficultés pour na quoi arriver, qu'au foot, par exemple, corps ya avocat au bazako défendre sénateur et évidemment binopé na famille bozaki na bozaki coincé parce que ba compte nyo sezaki scellé. Mais est-ce que population ezana na Kinshasa ou ezana moi espoir mingi si maya sénateur Jean-Pierre Bemba et koki koyeba lelo eloko nini bosali pour na situation wana ce qui peut ezali déjà dégagé population ezana besoin koyeba ce qui peut ba avocat les lobes avocats nini bazali vraiment qu'au travailler na sima dossier pour nous défendre sénateur Jean-Pierre Bemba et puis situation de vie à famille ba compte ezaki scellé. Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que peut-être batikali ko comprendre bino pour ba fongwela bino accès na ba compte et état de santé ya sénateur Yemoko? Merci. Bande konabiso ba congolais bazako sunga biso ba o ba ko sunga mwana naibi que bazalaki mobilisé pour n'avoir cotisé chacun $1. C'est vrai, n'a pas été merci. Mais, sénateur Asimaki Boye, population à Zomona déjà passé. À soi, sur ce $1 et la population à Zomona déjà passé. Pour n'avoir rassemblé $1, pour n'avoir sali ça y est, à foutre à avocat là y est, sénateur Aboya qui les Kamboana, à l'obé quitté. Le coup, la population à Zana Simana y est, à Zana confiance. La population congolaise, bah au bas au Songaï, a signé bah mon discours merci. Nous surtout à Zagoloba, c'est que Batiaka nous sommes dans ma beaucoup en Zambie, parce que Nzambie a Bolongi sa sénateur. Concernant situation et santé naïe, sénateur Aza en parfaite santé. Nakinarakuna chaque semaine Nabana, donc il est en parfaite santé. Broké ce qui bondit minga te broké côté na bateau ba kinakota laye ba koyé bisabino que azan en pleine en bonne forme morana e pezali kolo ba avocat na e pe bazali confiant parce que bon bino moro boyé bi makambo ba kangela kié ezali procès moko politique au ba kangeli Jean-Pierre Bemba toza ko préparé procès il y a le 27 avril. Et nous sommes beaucoup en Zambie, tout ce que nous avons dit à Rolo Misabiso. Oui, moi c'est Nancy Mbui Bokoto, je suis là pour le compte de Africa TV. En fait, je voudrais vous poser deux questions, madame. La première question est celle de savoir, tout à l'heure, là, vous venez de présenter vos voeux à toute la population congolaise, mais on voudrait aussi savoir, parce que nous savons tous que l'année 2009 a été quand même une année difficile pour vous, d'autant plus que vous avez perdu votre beau-père. Mais est-ce qu'il y a moyen de vous d'essayer un peu de faire le bilan de l'année 2009 par rapport à la République démocratique du Congo? Là, c'est la première question. Et la deuxième question, on a appris que l'honorable Sesanga ne fait plus partie du MLC. Quel est votre avis par rapport à ce départ?
Merci beaucoup pour votre question. Donc je commencerai par répondre par la deuxième question concernant le monsieur Sessanga. Vous savez, l'être humain est libre de faire ce qu'il veut. Il a adhéré au MLC. Aujourd'hui, il a jugé bon de quitter le MLC. On ne peut pas le retenir. L'homme fait ce qu'il veut. Ce que vous devez savoir également, c'est que dans le MLC, il y a une structure. Ce n'est pas à moi de dire ce que je pense du départ de monsieur Sessanga. Comme je l'ai dit, il est libre de partir, tout comme il est libre de revenir plus tard s'il le souhaite. Donc il est toujours le bienvenu dans le MLC. Concernant la situation de notre pays, donc je pense que le gouvernement doit se mettre au travail dès maintenant. Ça, c'est mon avis. Voilà, donc Ali Mia Mongala pour les amis de Weti et Molière TV à Kinshasa. Alors, Madame Lulia Bimba, je crois que tout suivre effectivement la présentation à vœux à la population congolaise. Tout à l'heure, en tout cas, au présenté Venayo au nom et à sénateur Jean-Pierre Bemba. Je pense que tu vas suivre un message Nayo. Au lancer en tout cas couleur, il faut quand même le dire. Alors, Nazan a deux questions à vous poser pendant Badbazo Landaruma Bisson à Kinshasa et un peu partout dans le monde. Alors, première question, Ezali, pendant Koye, un tout petit peu, comment d'abord, et c'est pas ça qui fête la fin de l'année. Parce qu'il faut quand même le dire que dans chaque famille, Tubalingaba fêtait d'abord en famille, c'est-à-dire que papa, maman, Nabana. C'est-à-dire que le sénateur Jean-Pierre Bemba a été retenu, en tout cas, dans la prison, dans ces pays. Ça fait quand même de Bamboula, ils ont déjà collé comme Mingi, moi et Bélé. Alors, Nabana, et c'est pas ça qui est d'abord, je crois que Batoazo Landabiso, il est quand même Baïba. Il est quand même Nabana, Yonabana, Awa. Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, ils ont d'abord par rapport à l'information, et ce qu'il y a déjà, depuis quelques mois, sur le net et un peu partout, comme quoi Madame Liliane Bemba a passé à l'offensive. Madame Liliane Bemba a ligné en tout cas à combler en tout cas le vide, le leadership où ils allaient en tout cas qu'on se fait remarquer d'une manière cruelle hein, en tout cas c'est un MLC puisque tu es quand même le parti MLC traverse en tout cas une période assez difficile. Je crois qu'ils ont quand même relevé la Bakofré au Baza Awa. Ils ont traversé une période quand même assez difficile. Division ils ont quand même marqué à niveau MLC. Il semblerait que Madame Liliane Bemba a ligné à combler vide au Isaliwana. Leadership. Problème à leadership faisant un cas à partir à MSC. Est-ce que c'est vrai et que vraiment le Oyo, Madame Lula Bemba, a vraiment apporté par gant pour monter vraiment la ring pour que vraiment Magambe qui vraiment libre. Voilà deux premières questions dans les angles. Narobanda, je répondrai d'abord par la deuxième question. Vous savez, je suis croyante et la Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que je m'implique un petit peu dans les affaires du MLC. En tant que femme, j'entends, je vois ce qui se passe. Et je pense que la femme ne doit pas se taire. De nos jours, la femme ne doit pas se taire. Elle doit plutôt être active, même dans la politique. Même dans la politique, la femme doit rester très active et suivre ce qui se passe réellement. Parce que ça nous concerne tous. Le problème politique de notre pays, tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement un parti politique, mais ça concerne tout le peuple congolais, tout citoyen congolais. Donc je pense que, en tant que femme, je ne peux pas me taire. Quand il y a des choses qui ne vont pas, j'ai le droit de me lever, de hausser le ton et de dire non, maintenant vous arrêtez et vous restez unis pour le bien de notre population. Concernant le sénateur Jean-Pierre Bemba, comment il a passé ses fêtes de fin d'année? Ce n'est pas facile, vous savez. Lui qui était toujours habitué à être encadré par sa famille, par son père qui vient malheureusement de nous quitter, que Dieu a appelé auprès de lui. C'est vrai que nous avons passé 3 jours pour la Noël. On a pris donc une chambre à l'hôtel. Donc pendant les 3 jours, on passait la journée, pratiquement les 3 journées avec lui là-bas. Malheureusement, le jour de Noël, comme ce n'est pas permis, on a été le rendre visite le matin et puis bon, malheureusement, on a dû reprendre la voiture, refaire la route sur Bruxelles. Ce n'est pas évident, c'est très dur, que ce soit pour lui qui est là-bas, qui aurait bien voulu passer Noël avec toute sa famille, mais malheureusement, comme vous le savez, il est incarcéré injustement à la CPI. Et les fêtes de fin d'année également, c'était très pénible pour nous tous parce que l'année passée, papa Bemba était parmi nous. Malheureusement, comme vous savez ce qui est arrivé, papa n'est plus avec nous.
Et pour Jean-Pierre Bemba, c'est encore un coup très, très, très dur pour lui. Pourquoi je dis ça? Quand j'ai été le rendre visite le 3 janvier, il y a parmi les gardiens qui viennent nous chercher donc à la réception, il y en a un qui m'a dit, « Madame, vous savez que votre mari n'était pas bien. » Je dis, « Ah bon? Vous aussi, vous savez voir qu'il n'est pas bien quand il n'est pas bien ?» Il me dit, « Oui, il n'était pas bien, il n'était pas dans son assiette. » Je dis, « Mais c'est tout à fait normal. Les fêtes de fin d'année, ça se passe en famille et non seul enfermé. » Donc, on trouve ça dommage et regrettable que nous n'ayons pas pu passer les fêtes de fin d'année ensemble. Mais bon, Dieu merci, Dieu nous fortifie, il nous donne le courage de tenir. Et nous sommes là, comme vous voyez, nous sommes en pleine forme, nous sommes en pleine santé. Pourquoi? D'où nous vient cette force-là? Il n'y a que Dieu qui nous la donne. On ne peut pas compter de nos jours sur aucun homme, on ne peut que compter sur Dieu.